Bonjour YouTube. Côté numéro 3 de Blue Keizo. Par rapport à la dernière fois, le jeu est passé en couleur. Car en effet, avec les paramètres de l'émulateur, j'ai pu, eh bien, trifouiller, puis faire en sorte que le jeu soit comme si c'était un jeu de Game Boy Color. Du coup, voilà. Hein. C'est en couleur. Hein. Pokémon aussi, hein, messieurs. Voilà. Hein. Voilà, voilà. Voilà, voilà, hein, voilà, hein, la preuve en est, hein. Ah, c'est bien en couleur, quoi. Oh, putain, je suis ému, je suis ému. Mais ce qui va être encore plus émouvant, c'est qu'on va faire évoluer Magikarp. Ah, ça, c'est beau. Tout de suite, la démonstration. Hein? Comment ça? Il n'est pas niveau 20? C'est quoi ces conneries? Il y a une douille que... Il y a une douille. Hein. Il y a une douille. Bon, on voit... Elle, je crois, de mort, elle a des Pokémon insectes. On va dire que c'est encore le cas ici, puis on voit Goopix. Incroyable. C'est le cas. C'est le cas. Je sais plus à quel niveau il évolue, hein, par contre. Ah merde, attendez. Je sens que le son est un peu fort, ou alors je suis fou. Il est exactement comme la semaine dernière, hein, donc exactement comme la semaine dernière, by the way. Après, peut-être que la semaine dernière, il était déjà trop fort, je sais pas, mais... Il a pas bougé, hein, c'est sûr. Ouf. Ok. Il a vraiment fait sport, le bâtard. En plus, il peut dormir 150 ans, hein. Oh putain, il a vraiment fait ça. Mais réveille-toi! Mais non, mais c'est trop... J'ai plus d'attaque-feu. Oh, ça peut être chiant. Non, mais en vrai, c'est bon. J'ai Snake Eyes et... Rock Slide. C'est 25, Léviator. Malaise un peu, hein. Et la sport est stun sport. On s'emmerde pas ici. Hein. J'espère que vous allez bien. Niveau 22 pour Arbocu. Incroyable en vrai les couleurs là. Ah oui, elle est directement. Le champion Pokémon est la seule personne pour y accéder. Insane. Je sais pas si le bug du texte avec le magasin il est valable ou pas. En gros, apparemment quand tu parles à lui là, après le texte va plus vite. Je sais pas si c'est valable sur Blue Keizo, je suis pas sûr. Ah si.
Ouais, si. Clairement, oui. Clairement, oui. Clairement, clairement. Technique utilisée pour le speedrun de Pokémon Rouge, ça d'ailleurs, hein, c'est chiant. C'est un vrai bug, oui. C'est un vrai bug et c'est pour tout le jeu. C'est valable pour tout le jeu, hein. Ah, si, si, hein. Voilà, c'est valable pour tout le jeu jusqu'à temps qu'on soigne les Pokémon, mais. Ah, c'est ça nul, là. Pourquoi, je sais pas. Mais vu que dans les speedruns, bah, tu soignes pas, bah. Vous comprenez où je veux en venir, quoi. Enfin, je sais pas, au son Pokémon, je veux dire. Du coup, lui, on va le laisser là pour l'instant parce que, bon, bah. J'écarpe sert à air, quoi. Tant qu'on n'est pas niveau 25, on l'utilise pas, quoi. Il faut déposite là. Et du coup, on récupère. C'est vrai qu'on a Misterbe aussi. Misterbe, il va servir pour la reine d'Onzine, hein, ça c'est sûr. Enfin, Ortie dans l'occurrence. Mais je pense qu'on prend Nosferalto pour l'instant. Après, c'est vrai qu'en l'occurrence, ça sert à rien de... c'est vraiment marrant, le bug est aussi dans le... En même temps, c'est logique. Hein. En même temps, c'est logique. C'est drôle. Du coup, si quand on speedrun Pokémon rouge, sachez-le, on utilise ce bug. Et Pokémon jaune, peut-être aussi. Mais du coup, ça marche jusqu'à temps qu'on soigne notre équipe au centre Pokémon. Hein. Ce qui va arriver très très vite dans ce jeu. Hein. Qu'on soit bien d'accord, monsieur. Bref. Attends, mais ici il se passe quoi? Et il y a une zone ici. Attends, on peut aller directement à. Non, oui, ça. C'est fou. Je me suis dit que ça aurait été dingue. Attends, mais c'est quelle route ça? Ah. Attendez. Allez, route 24. Ok, donc c'est la zone 24 ça. En vrai, c'est pas si nul, hein, je dirais. Salut, Akaba. Pas si nul, en vrai. Ah merde, il a fait bélier, le bâtard. D'Odrio Band avec Rapace. Bah, en vrai, s'il a. Waouh! Ok. C'est mal en tout cas. Hein. Après, Pikachu a une défense de merde, mais bon. On va l'appeler en fonction de Dodrio. Hein. Mmh. À la place ou ouais, c'est bon.
Ah, j'avoue, la ref est bonne. C'est bon. Le Mbappé de l'époque, quoi. Je suis déjà allé là. Du coup, le rival niveau 20, c'est ça? Il faudrait que je retrouve la liste des level cap en vrai. Votre ami, il me l'avait partagé la semaine dernière. Là. Comment ça? Dis-vous? Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. Ah, mais y'a pas le level cap pour le rival, mais je crois que c'est 20. Vas-y, je vais. Je fais un truc. C'est plus rapide pour moi. Non, c'est pas le même, non. C'est 20. Non, c'est 20. Très bien. En vrai, on va y aller là. J'ai aucune idée de avec quoi il démarre, hein, à part faire, bien sûr. Donc, il avait évolué Mew la dernière fois? Les gens diraient même de Mario Maker. Le mec il critique plus le jeu quand il est en couleur que quand il était en noir et blanc quand même. Hein. C'est vraiment les gris quoi. Et je vais mettre lui, il va être très décevant. Mais attends, mais j'ai pas vendu d'objets. C'est vrai que j'ai des objets qui me servent à rien là-dedans. Genre le fossile là par exemple. Déjà, enfin que je vende, que je... C'est vrai que les objets dans le... du sac, c'est... Ouais, c'est... Alors ça, faut que je vire, par exemple. Waterstone, je peux virer pour l'instant. Ouf, je vais pas virer la carte, par contre. Faudra que je me rappelle de... Eh mais Thunderstone, il y a Raichu qui arrive fort là, donc attendez. Yves-Stone, pareil, il y a Rafflesia aussi. Firestone, il y a Fenard. En vrai, la carte, j'en ai besoin pour les zones, hein, si jamais j'ai un trou. Mais non, mais je voulais... Oh, oh là là. Il y a même pas de... Ouais, genre, t'as même pas de confirmation, quoi. Pour aller vite, c'est bien, mais... Quand tu cherches à... Mais j'étais pas allé là, moi. Pistolet haut qu'il faut que je vende. Ouais. J'ai vendu. Potion. Thème 11, c'est quoi thème 11, déjà? Ok, je vais lâcher juste pour voir ce que c'est. Ah! Ah ouais! En vrai c'est intéressant, mais on va pas... Pour l'instant on va pas le prendre. Mais notamment Nidoqueen pourrait éventuellement la prendre, ouais. Pour pouvoir gérer plus facilement les types. Les types sol, en fait. En attendant d'avoir Blizzard ou une connerie du genre, quoi. Mais du coup, si. Du coup, s'il donne.
S'il donne Bubble Beam au shop, c'est-à-dire qu'Ondine ne donne pas Bubble Beam. Parce qu'Ondine donne Bubble Beam normalement. Mais du coup, la reine n'est accessible que quand on a battu le mec de Team Rocket, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Je donne Scad, bien sûr. Hein. Niveau 20, ouais, j'ai raison. Ah ouais, je me disais bien, les dégâts étaient un peu violents quand même. Je disais, il y a un problème. Ah oui! Ah, mais pourquoi il fait autant de crits que ça, lui? Kadabra, c'est chiant. Oui, Kadabra, c'est chiant, oui. Attends, mais je suis plus rapide que lui ou pas? Bah, je pense pas, hein. Oh, il est cool, il fait cage éclair. Du coup, là, je crie plus parce que je suis lent, quoi. Dommage. Kinesis, mais il attaque pas. Moi, ça me va, hein. Hein? Comment ça? Genre, il a les deux, lui. Il est Draco et Draco, le mec. Il se passe chier, en tout cas, votre pote, hein. En vrai, je laisse mourir Nosferalto. Il a fait son temps, comme on dit. Draco. Allez, hop. Petit flinch, là. Il renvoie Kadabra. Il peut pas petit wave, hein, by the way. Ouais, d'accord, hein. Ok. Mais il reste Mew, quoi. Bah là il peut plus switcher, donc toxique en vrai c'est fort, non? Putain, il est psycho le bâtard. C'est embêtant. C'est très embêtant. Ok. En vrai, s'il paralyse, c'est gagné. C'est bon. Enfin... Ah oui, d'accord. D'accord. Je suis sûr que ça va être Pikachu. 100%. Dinguerie. Il nous casse les couilles, lui, là, putain. Mais ça sert à rien, là. Ah, plaquage, psycho, soft boy, T-Wave. On a son set. On a son set.
Déjà? Mais sérieux, mais deux fois, non mais... raté là. Hein. J'ai vraiment pas de chance. Hein. Parce qu'à chaque fois, c'est le risque que de miss. Hein. Allez, je crois que ça tue, hein. Trust. Là, ça tue pas, il fait soft boil et j'ai le démon. Quoi? Dinguerie. Putain, le type psy en ingé, y'a rien qui le touche en plus. Enfin, à part double dard, quoi. Enfin, dard nué, je veux dire. Et take it easy, il parle de la chanson de Mika, relax. Ah t'as vu Léo, c'est bien ouais. C'est bien cauchemardesque hein, ce combat. Hein. Pas kiffé, hein. Pas kiffé, hein. Pour le Pokémon de zone, ici, on l'a déjà attrapé, hein. C'était... le duo. Je sais plus s'il est dur le Pompipit. Ah c'est un scout, j'aurais dû mettre Goopix. Ok, bonjour hein. Évidemment. Je le tue même pas, ça se trouve. Ah putain, il est vieux, votre pote, hein. Attendez pas l'OS, en vrai. C'est un plaisir. Ok, le bon après. Avec qui en premier? Ouais. Bon, on a vu Pikachu prenait rien d'intéressant hein, la dernière fois. On avait trigger les super bonbons exprès. 21. Un petit peu calé par ça. Merci. Ah, imaginez Mister, il aurait gagné son duel contre un Goopix. Est-ce que ça aurait pas été la tristesse de la soirée? Non, ça, franchement, c'est possible que oui. Hein. Eh non! Par contre, toi, tu vas prendre ça. Je t'ai parlé à toi ou pas d'ailleurs? J'ai pas parlé, je crois, mais. Ça change rien. Il ne me donne que dalle, votre ami.
tout cas, on soigne à chaque combat, comme prévu. Et c'est le pompépite Keizo, hein. Ça porte bien son nom, finalement. Bon, par contre, ce serait bien que j'envoie des... Putain, mais en vrai, les niveaux sont de pire en pire, là. Va falloir que j'utilise encore des super bonbons, hein, probablement, pour suivre le rythme. Et là, ça commence un peu à être tendu du cul. Ça one-shot pas, mais bizarre, je pense. Si ? Incroyable. Niveau 21 pour Legend. Ah, ok, il a les 3 starts. D'accord. Hop là. Les crits en ingé, c'est vraiment la foire à la saucisse. Hein. Comme un sacré délire. Hein. C'est quand même un sacré délire, hein, si je puis me permettre. Hein. Je one-shot pas le carapuce, je pense. Bon, en même temps, j'ai deux niveaux de... Ok, donc le quatrième c'est quoi? C'est niveau 23, c'est ça? On va tester, hein. Switcher, ouais. Allez, tiens. Ouf. Heureusement que j'ai un type vol en vrai. Hein. Sinon, ça allait faire bobo. Eh, ça crit souvent, cruel en vrai. Oh, son râteau est pas si rapide que ça. Hein. Oh, bah, mais en vrai, c'est quoi le... C'est quoi la règle déjà? C'est plus rapide que le Pokémon adverse ou juste rapide tout court? Hein. Je sais plus, j'avoue. Apparemment, je pense que c'est plus rapide que Pokémon adverse, parce que là, Starry, il est plus rapide que moi et je crie plus. Ah. C'est pas clair, quoi. Juste ce qui est clair, YouTube, c'est qu'il faut les 5 pouces bleus, quoi. C'est clair net. Plus la diff est élevée, plus le crit fait mal. Hein? Comment ça? Attendez. Comment ça, plus le crit fait mal? C'est-à-dire qu'il y a des crits qui font plus mal que d'autres? C'est une info chat, ça. De plus. Au level. Et il est que niveau 20 lui. Je comprends pas au niveau en vrai, hein. Ça redescend. Hein.
Plus ton level, plus ton crit fait mal, 0 van. J'étais pas au courant. C'est chelou. Ouais, c'est bien. Attends, mais il met mal votre pote là. Mais toi qu'il est que niveau 20. Ouais, bah super. Ouais, d'accord. Ouais. Ah, mais c'est une speed taille. Oh. Un délire quoi. Calmez-vous par contre. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça y est, on se baisait. Hein. Ah, vraiment le Nuzlocke, j'aurais tellement pas eu la foi de le faire. Hein. Ouais, vous avez vu, déjà deux morts. Hein. Rien que sur un putain d'Aquaquack. Aquaquack que je crois que Ondine a d'ailleurs. En plus. Il va même pas lui donner une pépite ou pas lui? Ok, ce sera bien vendu ça. Hein. Je veux pas rejoindre Team Rocket, non. Non, non, je veux pas. Je dis de joindre. Et il m'a dit rejoins Team Rocket, je te dis, il m'a dit. Arrêtez avec vos dracos, hein, c'est bon. Hein. Ça va finir par se voir quoi. Regardez le crit là. Par contre, lui, il crit, hein, y a pas de soucis. Hein. Mais comment ça, il est plus confus? Catastrophique. Hein. Ça va? Tu m'as l'aise un peu, non? Pourquoi il faut que je fasse gaffe parce qu'il va encore utiliser une potion, l'autre con là. Ça, on a bien compris la leçon de la dernière fois. Hein. Bon. Vas-y, c'est vrai que je puisse attaquer maintenant là. Voilà. Et l'Earthquake tue normalement. Enfin, normalement. Rien n'est moins sûr, hein. Encore une fois, on peut très bien se retrouver. Non, c'est bon. C'est qui l'autre? Ah ouais! Et du coup, Earthquake il se prend. Attaque s'il te plaît! Nice. Spectrum est vraiment stylé par contre, je trouve, comme en sprite là. Il était pas évident lui, hein. Il aurait pu me. Si je me serais pris full confus sur Arbok, Spectrum aurait pu gagner. Et derrière. C'est plus grand chose quoi. Vas-y, j'ai monté tout mon niveau 22. Non, toujours pas.
Voilà. On suit la courbe logique. C'est ça. Bon, cette zone-là, je l'ai déjà faite, hein, qu'on soit bien d'accord. Déjà, il y a un dresseur inesquivable, bien sûr. Il y avait qui d'autre, du coup, à part Dodrio? Je préfère Dodrio que Carnatichaud, je peux mentir. Ah bah manqué. On va prendre cher sur Wing Attack, hein. Logiquement. Ça va même pas crit, hein. Franchement déçu. Très déçu. Osley. Osley, Osley, vous voyez, Caratrol, ouais. Je vais faire un truc s'il mourrait pas, mais... mettre Bubble Beam en première attaque, mais bon. Il est tombé KO. Je pense. On retourne nous soigner, bien sûr. Hein. Ah. Merci. Ah. C'est... un délire. Hein. Là, les routes sont toujours agréables. Hein. Ça change pas, ça. Je vais me permettre. J'ai plus accès à les miettes, c'est bon. Tiens, je vais faire une petite sauvegarde au cas où. Ah, alors je crois que j'ai choc là. Non? Ah non. Mais du coup, c'est une nouvelle zone là? Attends, mais là, du coup, je peux plus me heal en fait. Là, je suis obligé d'affronter tout le monde sans me heal, là. Bah, c'est dans une nouvelle zone. Oh, le plan huc. Et j'ai pas de potion, en plus. Ça pue la merde. Là, je suis obligé d'affronter tout le monde, là. Doublon, je l'ai déjà. Aïe, aïe, aïe. On est d'accord qu'il tient cruel normalement. Hein. Ouais. Comment on l'appelle lui? Aramba. J'ai pas la ref. Hein. Pas de bulk. Non, c'est pas de bulk. Non, mais j'ai pas la ref, mais je vais quand même te suivre parce que t'as l'air très. T'as l'air très. Ah oui, pas de bug, j'ai compris, ouais, par rapport à. Oui, okay. Non, mais faut arrêter de lui donner... faut arrêter de donner l'importance à ce monsieur, vous savez. Il faut prendre tous les dresseurs, vraiment, mais je vais me faire des... je vais me faire découper de... Quel sale bail. Quel sale bail.
J'ai pas de potions, j'en ai... Enfin, j'ai deux potions, quoi. Quoi? Mais pourquoi t'as un gros doudou, là, t'as un putain de montagnard? Canet, putain. Les gorilles sont arrivés pour nous pêcher, puis seulement le monde est fini. Et j'ai... Voilà. Mais fais ça, c'est très bien. Hein. Oh là 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 là. J'en ai battu qu'un, hein. Le problème c'est ça. Hein. Ils sont tous obligatoires, non mais vas-y, c'est trop. Ah, mais je crois que c'est lui que j'avais eu la dernière fois. En tout cas, je l'avais Krabby, ça c'est sûr. Je l'avais attrapé. Vas-y, je vais faire évoluer Pikachu en Raichu, déjà ça sera fait. De toute façon, il apprend rien, on l'a vu la dernière fois. Incroyable. Je suis ému, putain. Même Goopix, en vrai, il apprenait rien, je crois. C'est une meuf, ça, c'est ça, qui est là? C'est un scout ou pas? Je sais pas. Je sais rien. Je suis paumé. Non, c'est pas un scout. Oh, c'est parfait pour Aichu, ça. Bien dégueulasse, ce sprite, en tout cas. Hein. Ça aurait été sans plus immonde en noir et blanc, mais... On va sauver les meubles, quoi. Vraiment, il a lance-flamme, lui, comme ça, quoi. Légendaire. Incroyable. Ouais, non, mais... Tous les dresseurs obligatoires, c'est vraiment un sale bail, ça. Hein. J'ai pas de rappel, en plus. J'ai bien deux potions, quoi. Après, Escape Rope, ça marche ici ou pas? Ça peut me retourner au centre Pokémon? Je pense pas, hein. Pas comme téléport, hein. Y'a pas une gêne où Escape Rope, ça faisait un truc cheaté de ce genre, hein. Je pense pas, hein. Je sais que la 1G, les mécaniques sont différentes, mais il me semble que les mécaniques d'Escape Rope, c'est les mêmes. Hein. Au pire, on peut toujours tester, hein, si on est vraiment dans la merde. Oh, il a qu'un Pokémon. Si, là. Le chanteur? J'ai vite fait, quoi. On va tester après, au pire.
même pas certain que ça tue. Faut vous dire. Ça va, ça va. Heureusement qu'il y a ça. On va voir si ça marche, on sait jamais, hein. Ce serait cheaté, hein. J'ai essayé, quoi. Ah, c'est... Je crois qu'il reste encore d'autres dresseurs après, hein. Ok. Lui. Je sens qu'il va accomplir des grandes choses durant ce combat, Misurato. Ah, il y a déjà 46 minutes de VOD? Soit confus, pitié. Ok. Hein? Ah ouais, il se passe des choses ici. Hein. C'est des dingueries. Et on sent... Oh là là, oh. Oh là là. Oh là là. Vas-y, j'utilise ça quand même. Ah ouais, c'est... Oh. J'espère que c'est fini après, hein. C'est les trois derniers, là. Je me remettrai jamais de ce sprite de Soralto. C'est vrai qu'il est très particulier. Ah, mon petit ami est cool, ça s'en fout, hein. Ah. Pourquoi t'en vois lui? Super, il n'y a pas de crit. Ah bon. Regardez, je fous le crit là. Vous êtes prêts? Ok, on va remettre Karabakh en vrai. Mais non, pour l'instant on tient, hein. On n'a pas lancé le Pokémon mort, hein. Le Nuzlocke est en marche, monsieur, wait. Oh là là, mais nique-toi. Hein? Pas seulement sacrifier un Pokémon là, hein, parce que lui il m'emmerde là.
La tranche, c'est souvent crit, hein. Non. Flinch, flinch là, un petit flinch là. Petit flinch là. Oh frérot là. Mais attends, mais tu veux pas utiliser tranche sur ce fait? Merci. Casse les couilles là. C'est grave, hein. Bon, par contre, on commence à parler de notre Nidoqueen qui a des attaques bien gaze là. On va s'asseoir là. Évidemment. Hein. Ok. C'est malaisant ce qui est en train de se produire là. Comment ça, elle dit Dante affecte mon cul là. Ah mais Exelang, Exelang quoi. Exelang, c'est dur à gérer hein. Dur à gérer avec ces langues, hein. Je perds plus que lui, c'est une bonne information, ça. Oh, les dégâts sont éclatés du cul. J'ai crit là sur le deuxième earthquake. Oh non. Vas-y, retire. Je crois que je vais te glaire la gueule un peu. Ah, il fait tranche, ok. Ok. Je vais écrire tout le garde. Je vais écrire tout le garde. Petit malaise, hein. Comment ça? Ah putain. Je passe pas Onyx là. Hein. À moins qu'il soit full confus. Et... Bon, je sais que s'il switch, ça devient un poison normal. Je sais maintenant, mais bon. Il a éboulement. Ah ouais, ok. Ah c'est vraiment l'Onyx... L'Onyx de merde, quoi. Le problème c'est que je fais rien. Ah je suis plus rapide que lui. J'aurais pu être un à l'infini en vrai hein. J'aurais dû. Il va être confus la trust. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là.
Après, le problème, c'est qu'on a encore un dresseur derrière, quoi. Et il reste excellent aussi, hein. Faut pas non plus. Bah, c'est pas fini, quoi. Je vais juste vous expliquer, quoi. Il se réveille, votre pote. Hit. Du coup là, you got me, hein. Encore, ça coûte beaucoup ce route, hein, dans le jeu visiblement. Putain, mais en vrai, on est bien dans la merde là, parce que c'est pas le dernier dresseur qu'il y a là, on est bien dans la merde. Hein. La Legends, ouais. Legends qui n'apprenait rien d'ailleurs, hein. Autant le faire évoluer en Fenner maintenant. Non, en plus, ouais, vas-y, ouais, c'est quoi. Bon, j'espère que je joue pas une attaque intéressante avec Goopix, quoi. C'est dommage, ça serait fâcheux. J'ai plus de potions déjà. Fenard, c'est de toute beauté. Ah, c'est pas le dernier dresseur, mais... Il y a vraiment une Pokéball là, mais du coup, j'ai pas accès du tout là. C'est quoi? Et... Non, c'est bien ça. Ah, par contre, c'est moins bien, c'est que ça le sonne complètement, quoi. H. Mais Osley me met super mal en fait là. Hein? Pinch? Un dresseur, je m'en doutais de toute façon. Oh, lui, j'aurais bien aimé avoir un Coquac en vrai. Je vais mettre Fenard. Je suis même pas sûr que ce soit le dernier dresseur en plus. Hein. De mort, il y a une meuf juste avant Léo. Enfin, dans le jeu de base en tout cas. Putain. Ça sent la sauce quand même, hein. J'ai plus de potions, hein, by the way. Ouais. J'ai jamais mieux où ça. Ok. Aujourd'hui, je m'éclance pas mon premier d'ailleurs. Ouh. Ok.
Ah, je sais bien qu'il y avait une dresseuse ici. La dernière, hein, par contre. Ouais. Y a pas d'objet que j'ai loupé là. Si on l'a bas, on aura sauvé le game over. Pour la route en tout cas, bien sûr. Hein. Bah t'aimes bien des types plantes toi, ça se voit. Ouais voilà. Après air bizarre, il tient sûrement le lance-flamme. Hein. Et non. Ah ok, il a les starters. Donc c'est Karabaf le dernier. Karabaf qui peut gérer Kraichou. Hein. On rappelle. Là le but c'est de faire la jouer stratégique hein, de toute façon. Voilà, c'est bien. Ouais, vas-y, je vais switcher sur Arbok. Sympa. Vas-y, fais paralysé. Comment ça? Eh ben, c'est plaisir. Alors, c'est vrai que ma page sur digue en danger. Si, mais j'ai pas pensé comme un idiot, ouais. Enfin, oui, ça doit marcher. Si, ça doit marcher. J'ai juste pas pensé. J'aurais dû. C'est bien. Hein. Ok. Bon. Bonjour. Ouais, je t'aide, ouais, mais je m'en fous, dépêche-toi. C'est la copie. Incroyable. Et en deux temps trois mouvements, on est revenu à Azuria. Bien sûr. Ok. Bon. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette VOD. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, vous plaît, bien sûr. La prochaine fois, on va s'attaquer à Ondine, bien sûr. Et on battra le Sbirocket juste avant, et puis après, on s'attaquera à Ondine. Bye bye, tout le monde.